Nikita, du domaine de Kalkis. C'est une femelle qui est pas mal sortie en expo et qui prime beaucoup en expo. Elle plaît beaucoup. Donc, je me dis, je vais l'inscrire au championnat d'Europe parce qu'elle a ses chances déjà de finir dans les quatre premières, je l'espère. Voilà un statique pour les expos où on doit mettre le chien en évidence, bien le présenter, que ses aplombs soient bien droits, qu'il ait une bonne ligne de dos, qu'il ne creuse pas, qu'il ne bombe pas, que les aplombs soient bien symétriques avant et arrière. On recherche aussi un beau col de cygne, un bon chanfrein, un bon stop, des dents bien en ciseaux, les yeux pas trop écartés, les oreilles bien portées le long de la joue. Ça, c'est tous des critères que les juges regardent aux expositions. Après, rentrent en ligne de compte les critères du standard du dog allemand. Et là, le juge vient contrôler les dents. Il ne faut pas qu'il manque des dents, que les dents soient bien en ciseaux. Contrôle les aplombs, qu'ils soient bien droits. Vous voyez que ça ne tourne pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur, que le chien ne soit pas panard, qu'il n'ait pas les pattes en forme de lièvre. Et tout ça est important. Et après, là, le juge, au fur et à mesure, fait sa sélection. Souvent, on sélectionne quatre, fait sortir les autres chiens. Et après, dans les quatre, il fait son classement, premier, deuxième, troisième et quatrième. Il n'y a que quatre chiens qui sont placés sur un ring.